Monsieur Aristide Ongone Obame, bonjour. Oui, bonjour. Que peut-on retenir des systèmes alimentaires ? Très simplement, les systèmes alimentaires, c'est toutes ces étapes qui concourent à la bonne alimentation d'une population. On part de l'étape de la culture, comment cultiver. Pendant cette étape, on va arriver à ce qu'on appelle la récolte. Après la récolte, il y a le conditionnement. Le conditionnement, après, va suivre la transformation, le transport, la commercialisation et la consommation. C'est toutes ces étapes-là qui composent ce qu'on appelle le système alimentaire. Mais il n'y a pas que ça. Pendant ces étapes, on va utiliser un certain nombre d'intrants. Ça peut être des semences, ça peut être des outils agricoles, ça peut encore être des fertilisants ou autres. Et nous utilisons aussi ce qu'on appelle les services, les institutions pour effectivement voir comment ce système alimentaire fonctionne. On va aussi regarder l'impact de toutes ces étapes sur l'environnement. Est-ce que ça dégrade la santé de l'environnement? Et c'est tout ça, il faut que on arrive in fine à produire suffisamment d'aliments sains pour nourrir la population sans dégrader l'environnement. Nous avons appris qu'un processus d'évaluation du système alimentaire de la République démocratique du Congo a été réalisé par le gouvernement en partenariat, bien sûr, avec l'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO que vous représentez ici, et les centres français de recherche agronomique et de coopération internationale, CIRAD en sigle. Quel a été l'objectif de ce processus? Alors ce processus, je confirme, il a été mené effectivement avec toutes ces institutions qui ont accompagné le gouvernement de la RDC. Ce processus d'évaluation avait pour objectif de voir pour 50 pays, parce qu'il y a 50 pays qui avaient été retenus, pour parler de l'état de santé de ces systèmes alimentaires dans ces différents pays. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? On est à quel niveau? Quels sont les défis? Et où est-ce que ça coince? Où est-ce qu'on sent les goulots d'étranglement? Où sont les faiblesses? Et bon, on va directement aller à la RDC. En RDC, nous avons relevé, premièrement, que malgré le potentiel que vous connaissez, autour de 80 millions de terres arables, tout le monde connaît ce chiffre-là, il est très élevé. Nous avons, première chose, constaté que la RDC peine malheureusement à nourrir sa population. L'orientation qui avait été donnée, et à Malabo, par tous les États de l'Union africaine, c'est de mettre au moins 10% de leur budget national pour développer ce secteur. Si nous revenons en RDC, nous sommes aujourd'hui à peine autour de 3%. À peine de financement dans le secteur. Mais là aussi, quand vous parlez de financement, je vois non seulement l'État congolais qui doit dans son budget national prévoir un pourcentage conséquent pour l'agriculture, mais aussi de l'apport extérieur et notamment de la FAO. Je vais être franc avec vous. Un pays se développe effectivement avec des apports extérieurs, mais pas seulement avec ça. Aucun pays ne se développe seulement avec des apports extérieurs. Et puis ceux qui viennent comme des partenaires et qui font ces apports extérieurs dont vous parlez, regardent un peu quelles sont les priorités du pays. Les gens viennent vous appuyer en fonction des priorités que vous indiquez. Un pays est souverain. Un pays écrit son développement. Et les partenaires viennent l'accompagner. Ce n'est pas les partenaires qui viennent décliner une politique de développement d'un secteur. Par conséquent, le début, c'est est-ce que le secteur agricole est prioritaire? Si oui, c'est là où vous aurez beaucoup d'apports extérieurs. Sinon, mais pourquoi voulez-vous que les partenaires viennent investir dans un secteur qui n'est pas prioritaire pour vous?